Vol Télé-Guinée, Kadil Jean-Lier. Chaque jour. Devant jour à 4 heures. Le matin à 8 heures. À midi tapant. À souhait, 8 heures. Télégamme, Télé-Guinée Magazine, chaque dimanche, 4 heures d'après-midi. Nouvelle Télé-Guinée, sans commentaire, sans voix montée, Kadil Jean-Lier. Au nom du président de la République et de tout gouvernement, nous réitérons encore une fois de plus sympathie nous à Machan qui était victime de incendie qui était éclaté dans la nuit du 12 au 13 février de l'année en cours au niveau du marché Hippolyte. Nous profitons également pour nous voyer sympathie nous à Machan qui est victime de l'autre incendie qui a éclaté dans l'autre marché, tel que marché du port et marché Delma 33. Sur l'heure, sans plus tarder, le gouvernement est rendu sous place et le président de la République est passé instruction formelle à Premier ministre. Pour te mettre en place une commission interministérielle qui est composée du ministère du Commerce, ministère des Affaires sociales, ministère de la Condition féminine, ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales, pour nous être capables de porter secours, porter ou assistance à Machan Sao qui est victime. Parce que nous connaissons quasi totalité Machan Sao, c'est femmes. Et femmes, c'est pour tout mitan économie pays noir. Et comme nous connaissons, le gouvernement est en service et au service du peuple haïtien. Nous avons pour devoir accompagner le peuple haïtien l'enquête de mieux-être. C'est ça que fait la commission, ça, sans plus tarder, il travaille d'arrache-pied, nuit et jour, pour être constitué dans un premier temps une liste partielle de machines qui victimes. Et afin que nous soyons capables de porter ou allocation par Machan Sao dans un premier temps. Et ensuite, au niveau du ministère du Commerce, nous avons une brigade ou équipe qui travaille pour évaluer le poids financier perdu et en fonction de ça, côté thérapeutique approprié, côté assistance appropriée. En compte jeudi, li inscrit l'objectif pour nous dire machin que nous avons, nous t'en décrire et n'a pas accompagné dans la mesure du possible. C'est ça que fait, je ne vous dis, suite à recommandation commission qui a deux phases d'intervention, une phase conjoncturelle et une phase structurelle. Dans la phase conjoncturelle qui consistait à bailler machin ou allocation. Et c'est ça que fait, nous avons organisé journée aujourd'hui, nous allons remettre toute machin qui a allocation ça ou allocation financière qui a assorti de ration alimentaire. Nous avons compris l'inquiétude machin. Mais je dis, nous n'avons pas besoin d'inquiéter. Gouvernement là pour l'assister nous et nous mettre compte sous gouvernement. Nous rencontrer là, c'est un geste symbolique. C'est pour nous montrer nous qui Jean, président Jovenel Moïse, depuis le incendie du feu a été pris dans ma chair, rapide, il était mis en commission sous pied pour être capable d'entrer en contact avec ma chaîne. Et dans la même optique, ça, commission depuis jour ça toute équipe qui toujours sous terrain
nous-mêmes qui toujours en contact avec marchand yo qui toujours relé yo parler avec yo nous là aujourd'hui Jean ministre commerce l'a dit parce que gouvernement a prend responsabilité là on connaît gien pile marchand qui dit yo gien 4 5 6 timon pour payer l'école pour bail manger que tout avoir yo tout ça ou te gien tout sueur yo boulé dans marché là nous connaît gien marchand qui compte faire commerce international qu'a acheté jusqu'en Chine qu'a acheté Dubaï qui gagne pile commerce tout ça yo te possédé aller dans du feu nous connaît gien marchand qui gagne coup de poing ya que yo prend nous connaît gien marchand c'est la banque yo te fait prêt nous connaît gien marchand c'est hypothèque yo prend tout ça qui pour te bailler au rendement pour répondre à responsabilité yo yo boulé dans du feu. Gouvernement là pour encadrer nous. Président Jovenel Moïse prend ça à cœur et il bail commission chaque jour pour nous souterrain, pour nous en contact avec Pachanio, pour nous pas quitter au débrabalan, pour c'est pas parole pour yo penser que n'a baillou. Et là nous est rapide pour nous te ca former Lisa. C'est pas moi-même personnellement qui choisis l'ISA. Nous avons un pile machin qui travaille avec nous et me dit merci pour collaboration parce que c'est nous-mêmes qui pour porter information ba nous pour nous servir nous. Nous avons un pile dans nous qui porter l'ISA ba nous côté pour nous qui permettre nous identifier nous. C'est à travers de l'ISA nous regrouper de façon symbolique jodi a pour nous prendre 200 machines. Nous connaissons pas 200 machines qui perdu mais gain équipe souterrain toujours équipe ministère commerce équipe ministère conditions féminines équipe affaires sociales qui dans marché là actuellement qui prend doléance l'autre machine. Nous dit nous merci déjà pour compréhension nous. Merci pour être nous t'ai accepté venir là parce que le nous pas gain aucun espoir. Tout bagaille nous boulé pour nous décider venir au moins venir tendre pour nous voir qui ça nous gain pour nous offrir nous. Me féliciter nous parce que son gros courageux parce que l'on pas gain espoir. On pas côté maintenant pour décider venir là son gros responsabilité lié. Me dit nous merci et me féliciter nous pour ça. Qui Jean ça pour le fait? Jean nous connaît, c'est à partir de l'ONA, nous rassembler en fond, et ça ne peut pas changer en rien dans le service que l'ONA gagne pour continuer avec la population. Nous gagnons la caisse d'assistance sociale là tout, qui peut coller. Ça ne peut pas changer en rien dans le fonctionnement de la caisse d'assistance sociale. Là. Ça veut dire que c'est tout gouvernement, toute direction, côté nous ka jwenn pote coller parce que c'est responsabilité gouvernement qui a dit qui pour répondre à appel premier ministre là il prend ça tout à cœur d'ailleurs nous ouais c'est dans la cour primature que toute équipe primature toute équipe la présidence c'est nous toutes qui fait un seul pour nous capoter coller à ti machin encore une fois me dit nous merci. Nous mettons compte sur moi, ministre Affaires sociales. Nous mettons compte sur l'autre ministre qui fait partie de la commission. Nous mettons compte sur le premier ministre nous, et nous mettons tout espoir sur le président Jovenel Moïse. Dans ce moment, je voulais dire merci. Merci à tout le monde qui contribue journée aujourd'hui. Pour rendre activité ça, pour rendre cérémonie ça possible. M'a dit yo merci spécial. Bye Digicel qui t'a accepté fournir nos liste machin que tu as un contrat avec yo dans marché. M'a dit merci à Marisa Syndic qui c'est directrice marché. M'a dit merci à toute machin gros tant ou petit qui t'a accepté collaborer avec nous nan ban nou noyo
nan ba nou telefòn nou, nan di nou nan ki sektèr yo tap evolye. Et puis di nou environ a ki fon marchandiz lan, a ki kantite l'ajan pèt yo ete evolye. Nan di mersi a tout partenèr nou yo. Nap di merci à CAD ministère conditions femmes qui chaque jour yo pat marchande courage yo CAD CAS CAD Lona CAD ministère affaires sociales qui chaque jour te descend en dans marché parce que dans toute liste que nous te recevoir yo faut que nous te screener yo faut que nous te vérifier yo pour nous te wè est-ce que exactement moun ki devant nou yo c'est moun ki t'a vann nan marché a et c'est moun ki perdu. M'a di un gros merci bay la presse qui vinn couvri événement jodi an qui vinn montrer bay le monde entier que l'état jounen jodi an pa nan menti. Nou genyen yon l'état Jean président République lan toujou di yon l'état au service de la nation. Parce que journée jodi fait exactement 10 jours depuis incendie criminel incendie ça qui passé en dans marché et président république là té metté sous pied une commission elle te dit rapidement dans les 8 jours 8 à 9 jours qui suivent nous pral bail une réponse parce que journée jodi président république là tout membre gouvernement nous comprendre douleur marchand yo. Et moi-même, comme ministre condition femme et droit femme, tout le monde toujours connaît que généralement, machin qui vend dans machin, c'est femme. Et nous connaissons douleur, maman petite. Première dame, non, li voye gros sympathie, by tout machin en général, plus particulièrement mesdames. Nous disons journée jodi, l'État prend responsabilité et c'est devoir nous pour nous accompagner tout le monde en général, plus particulièrement mesdames yo qui en dans caille, c'est eux même qui maman, c'est eux même qui papa, c'est eux même qui relaient, c'est eux même qui répondent. Nous comprendre que journée jodi an, gen en pile maman avec papa petite qui fin perdu marchandise yo, qui pas ka mettre main en bouche. C'est de bras yo y a ton chaque jour parce que c'est au jour le jour que y a vivre. C'est ça que fait journée jodi an. L'état prend responsabilité pour lui faire un geste nous dit qui un geste symbolique que nous pral remettre by 200 machines même Jean collègue moi yo sot di là 200 machines que n'a pour remettre une enveloppe avec n'a pour remettre une petite provision pour aller rentrer la caillou. Pour la vie capable de recommencer. La vie a recommencé la caillou, la vie a recommencé dans la famille, la vie a recommencé dans le marché. Décidément, nous disons que l'État prend décision, nous avons l'État au service de la nation. Et ce n'est que le commencement. Nous disons tout le monde en général, machin en particulier, nous allons continuer, faire nous confiance. Nous pas décevoir c'est ça qui fait date limite nous te bail là nous respecter nous faire ça nous capable nous pas dormir la journée qu'on en nuit n'a réfléchi pour nous voir comment que nous capable répondre à besoin nous répondre à promesse matérialiser promesse que nous t'ai fait nous dire maîtreté yo met continuer faire nous confiance tout monde qui victime en dedans marcher ça. Il y a besoin de satisfaction, même si satisfaction pas aller à 100%, mais n'a pas répondre dans dimension marchandise que t'es perdu. Merci en pile. Un coup de chapeau à Jovenel Moïse, président pays d'Haïti, félicitations. Amandine Moïse, une femme vaillante, une femme conséquence, dans le même jour qui te paraît, tu te décris ma chaîne. Moi-même, je suis à l'honneur de toute ma chaîne. Je représente toute ma chaîne vaillante, toute femme vaillante qui l'a. Journée jodi a, si nous camper là, c'est grâce à président Jovenel, c'est grâce avec Stéphane.
famille Auguste qui était là, qui était en devant nous dans le même jour, qui était couru venir prêter nous secours. L'aime d'après-lé, m'bat compte qui ça pour nous te faire, nous toute machine. T'es amèrement, nous t'es inconsolable. Là, nous t'es ouais, président pays nous. C'est pour la première fois, moi-même, en tant que machine, c'est pas la première fois m'a boulé. C'est pas la première fois m'a péri en dans marché public. Nous joignons nos instances, paraît dans le même jour. Président Jovenel Moïse, chapeau bas. Chapeau bas, chapeau bas pour félicitations. Moi-même, moi c'est Béatrice Joseph. Moi pas là pour moi-même seulement. Moi là pour toute ma chambre en général. Moi pas prêt pour moi tête moi seulement, non? Moi accompagner tous les marchands qui victimes dans tout marché qui victimes yo. Et spécialement marché Hippolyte. Moi-même jodia m'a mandé nous. S'il vous plaît, pas prendre bagaille à légèreté pour nous. Nous commencer bien. Nous fait un bon travail. Nous solidaires avec ma chaîne. Nous solidaires avec femmes. Nous connaissons les femmes. Voyons qu'à bien côté, femmes à travail. Nous-mêmes, femmes n'a bougé. Nous tous côtés. Nous n'avons toutes nous la banque. Nous n'avons pas rien. Nous n'avons escompte. Nous n'avons crédit international. M'a besoin de nous. L'homme de capé m'a prélé. M'a dit président pays. M'a dit président pays. Sauvez-nous, non. M'a dit ouais, Stéphanie Auguste. L'a te dit, l'a sauvé nous. Yo te dit, y'a pris un numéro de téléphone, moi. Yo te pris un numéro de téléphone, moi. Yo te dit, Béatrice, n'a prélé ou. Après carnaval. M'a dit là, m'a suivre. Vraiment vrai. Depuis vendredi après carnaval, je recevais un coup de fil qui c'est ministre affaires sociales qui te relève, qui te dit Béatrice, nous commençons le travail pour nous en bas ma chère. Moi te saisi. Moi dit c'est vrai ministre. Il dit oui. Moi même avec toute ministre, avec président pays, moi mando pour faire travail pour nous de concert avec toute ma chaîne. Ou qu'on est qui victime, cherchez rejoignez-vous. Vraiment vrai. Depuis non, samedi, le lendemain, moi descends dans ma chair, moi mobilisé à toute ma chaîne, moi dis, moi je viens un coup de fil. Et spécialement par Stéphanie Auguste, ministre affaires sociales, lui dit, président campé avec nous, lui dit, nous pas crier, pas reler encore, que y a autant de voix nous, y a autant de cris nous, y a marché. Il y a travail pour nous. Moi dis nous un grand merci à tout directeur, spécialement directeur Ona, moi pas connol. Tout l'autre directeur qui là, un gros coup de chapeau pour nous. Moi là malhonneur toute ma chaîne. Malhonneur toute ma chaîne journée aujourd'hui, c'est grâce à président Jovenel Moïse. C'est grâce à premier ministre là, c'est grâce à ministère qui campait là aujourd'hui qui a prêté nous secours, qui kembe nous à cœur, qui prend nous, qui encadre nous en tant que petit machin dans le pays qui a fonctionné. Vous voulez accompagner nous aujourd'hui. Nous disons un grand merci. Merci. Merci à tout le monde, à tous les médias qui sont là, ensemble avec nous. Un gros coup de chapeau pour nous. Moi-même, moi, c'est Béatrice Joseph. Moi, j'ai un bagage pour me dire spécialement pour moi, s'il te plaît. Parce que nous connaissons. Pièces, c'est pas bagaille qui facile à faire. Passeport brûlé en deux chocs moins. Carte électorale brûlé en deux chocs moins. Moi, pas connais pas qui moyen nous t'a carré. S'il vous plaît, un grand merci. Mille merci pour nous. Télévisé, parlé et écrit d'être là ce matin. Tant qu'on nous connaît que entre 2010 et 2011, tandis que le pays a été à genoux, après un tremblement de terre qui a tué plus de 200 000 Haïtiens et qui a détruit plus d'une centaine de maisons avec des milliers de déplacés et
plus de millions de personnes affectées. Tu as gagné un pile ONG qui était en Haïti dans le cadre de la réponse humanitaire. Mais nous venons remarquer qu'entre 2010 et 2011, tandis que le pays a été à genoux par rapport aux catastrophes naturelles, mais tu as des dirigeants d'ONG qui t'ont fait exploitation sexuelle, abus sexuel, avec participation éventuelle de Timoun, ça que nous considérons comme étant un crime grave. Gouvernement haïtien l'a choqué au plus haut niveau pour constater que derrière les rideaux de l'humanitaire, derrière les rideaux de la réponse humanitaire, des crimes graves contre la dignité du peuple haïtien ont été commis. Et ce qui est encore plus choquant, c'est que les autorités gouvernementales et les autorités judiciaires n'y a pas jamais mettez nous au courant de l'existence de ces crimes et délits. La loi est claire. Quiconque a la connaissance d'un délit ou d'un crime est tenu d'informer les autorités de justice. Et Oxfam, Grande-Bretagne, n'a pas pris la responsabilité morale, éthique, d'informer les autorités, et nous avons été sidérés d'apprendre à travers la presse internationale l'existence de ces crimes qui ont touché profondément le peuple haïtien dans son honneur et dans sa dignité. Et là, il y a une faute institutionnelle de Oxfam Grande-Bretagne. Cette faute institutionnelle est caractérisée par le fait que Oxfam a volontairement et délibérément omis d'alerter les autorités haïtiennes, a permis ainsi à d'éventuels prédateurs sexuels de quitter le pays, de s'affranchir du joug de la justice, et ainsi Oxfam Grande-Bretagne a commis la faute d'entraver le droit des victimes à une réparation civile. Face à cet état de fait, le gouvernement a pris telle décision que de droit, notamment le retrait provisoire de la reconnaissance octroyée à Oxfam Grande-Bretagne. Le décret 89, là, il prévoit l'AO suspend ONGA définitivement, eh bien, ce qu'on fait, on fait la liquidation de son patrimoine. Mais nous pas là. Nous pas là. Là, on a mené une enquête. Mais vu que pendant qu'on a mené l'enquête là, nous ayons faute de l'institution qui a omis d'alerter les autorités haïtiennes, dans le sens ça, qui a caché un crime, et crime ça a qui côté le commettre dans la résidence directeur pays Oxfam en Haïti. Et dans l'autre guest house, l'autre expatrié, dans le cas ça, Oxfam en 2011 a alerté Londres de l'existence, fait ça qui est contraire à la déontologie. Je suis capable de dire sur le plan institutionnel interne, Oxfam Grande-Bretagne fait un bon travail. Mais sur le plan de relations entre l'État et ses partenaires, Oxfam nous a caché ses exploitations sexuelles. Et s'il cache elle, c'est une faute institutionnelle par rapport au cours de la justice. Garde qui Jean-Jouné Jodian, directeur pays ça, avec expatrié ça, eh bien, ils disparaissent. Mais cas ça, gros obstruction à la justice, et gagne une entrave au droit des victimes à la réparation. Si au cours des 2 mois de l'enquête, moi arrivé joindre un lien en quoi que Oxfam gagne comme aide que
que le recevoir dans nos haïtiens, dans nos pays avec crime qui commet là, n'a fait ministre affaires étrangères là, dans nos gouvernements, déclarer le persona non grata pour quitter le pays sans délai. Oxfam Grande-Bretagne. Mais nous ne pouvons pas joindre ça. Nous ne pouvons pas joindre un 10 sous ça. Mais nous prenons des mesures provisoires, tandis que nous avons continué l'enquête là. Lundi prochain, à telle heure que de droit, je me rendrai personnellement dans les locaux d'Oxfam pour continuer l'enquête. Nous sommes rencontrés avec le ministre parce que avant le carnaval, la commission a été rencontrée avec le ministre, avec le directeur général là, qui est vice-président du comité carnaval. Nous avons parlé de budget carnaval, de tout ça qui a gagné pendant tous les 3 jours, 11, 12, 13 février. Et je dis là, nous rencontrons avec eux encore pour nous parler de budget carnaval là, et comment le comité a dépensé et sur toute activité. Logistique là que en pile monde te qui était grand pile problème dans carnaval là yo dit donc que yo poko mais là vraiment gon rapport qui finit non compte rencontrer ensemble avec yo pour nation capable connaître 186 millions goudes là comment les dépenser contrat qui fait avec Zajo tout ça contrat qui fait avec monde responsable son yo toute discipline qui doit gagner dans carnaval. En fait, c'est titre ça nous passer. Il y a plusieurs sénateurs qui étaient là, qui posaient plusieurs questions. Et le carnaval, c'est un bagage qui est dans tout le pays. Et pas de discrimination. L'un des carnaval national, c'est carnaval national. Il faut le faire dans toute commune du pays. Il faut le faire dans toute section communale du pays. Nous avons besoin de rapport sur tout le déroulement du carnaval pendant 3 jours. Nous croyons que M. Abgué peut retourner ici encore, puis finir avec le rapport. Là. Et puis, nous sommes capables de parler du carnaval. Tout le monde est tout le monde tout côté, tout le monde, tout le monde, et dans tout le pays, nous comptons sur nous, dans la question rara, et nous même avons fait le job nous, pour nous contrôler comment l'argent a dépassé. Parce que l'argent qui fait le carnaval, là, 50 millions de gouttes que le trésor public, maintenant, c'est l'argent payant, c'est l'argent taxe payant qui est dit. Il faut nous compter que les gens dépensent, et nous même avons pouvoir de contrôle. Non. C'est ça qu'on a fait là. Et tout ces 86 millions, il faut que nous ayons un rapport qui détaille, qui permette que les pays connaissent vraiment et comment cobre la défense. Et nous garantissons tout le monde dans la commission. Et nous avons un sénateur Kepler, un sénateur Mizer qui est avec nous, qui fait tout ce travail-là ensemble avec nous. Qui est-ce que vous promettez après votre rapport pour votre rapport? Bon, puis il y a gardé nous là, monsieur. Qui est-ce que vous promettez votre rapport, monsieur? Bon, c'est que nous avons travaillé sous lui. Et il est prêt, nous avons promis. Okay. Et le comité a dû fournir par le ministère un rapport bien détaillé que nous avons soumis par le président de la commission pour le transmettre par le Chambre Sénat. Combien de temps ça va? Je dis, est-ce que vous pouvez parler de satisfaction par rapport à la réalisation du carnaval? Oui, nous pouvons parler de satisfaction parce que le peuple a défoulé, c'est un moment de défoulement, d'épanouissement, que vous avez défoulé dans la sérénité, dans la paix, et pas de rivé, de monde qui mourit, zéro mort. Et puis, le succès du carnaval, c'est que des conseils avec représentants financiers, responsables financiers, nous travaillons pour un carnaval sans dette et nous arrivons à l'objectif premier ça que nous avons fixé tête, donc que l'État haïtien a fixé tête, l'administration Moïse Lafontaine a fixé tête. Li. Et jusqu'à présent, nous sommes capables de dire nous satisfaits. En fait, que la logistique qui est dans la question carnaval. Nous sommes conscients que y a certaines erreurs qui arrivent au niveau logistique, que nous avons un rapport. Et que nous prenons des mesures pour ça pas arriver, répéter l'année prochaine. Monsieur le ministre, le carnaval là, c'était une réussite. Qui est tombé le carnaval ça, monsieur le ministre? Pour le pays, retombé positif du pays. C'est que le peuple a été épanoui et pourtant il y a un pile touriste qui est arrivé entrer en dans le pays, qui était un brassage économique qui était fait pendant la période du carnaval là. Donc, si marchand, entrepreneur, monde, qui ont des hôtels, des machines, ils sont tous arrivés satisfaits parce qu'il y a une équipe diaspora qui est entrée en même temps. Il y a plein de monde qui profite, visite le pays, compte le pays, haïtiens comme étrangers. Mais ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un cap sur la rade, nous finissons avec un carnaval. Je pose une question là. Déjà, je vais te parler ça.
c'est que dans le premier temps, nous avons entendu avec le commissaire, mais nous avons présenté lettre de démission. Et c'est la veille que le premier ministre a refusé lettre là. Et que pas de trop dans l'espace là, pas de trop, nous pas de comité pas de rencontré pour disposition de arrivé prendre. Et c'est ça qui fait que, mais ça n'a pas empêché que tu aies une permanence qui t'est décrétée et qui t'est baissé satisfaction. Et tu as des gens qui t'est arrêté et même moment où tu es jugé ou tu es relâché, mais il y a tout qui t'est en prison. Dans le moment où on a parlé, là, plusieurs côtés dans le pays, il y a l'école qui est en grève. Ça, c'est le professeur qui parle de travail. Et il y a en grève pour qui ça? Il y a en grève parce que nous avons un groupe d'enseignants qui ont lettre dans la main depuis plusieurs années, qui n'ont jamais touché. Nous avons un groupe d'enseignants qui sont dans la salle de classe depuis plusieurs années, ça veut dire qui n'ont pas gagné la nomination. Et nous avons un groupe d'enseignants qui ont un programme PONEC, PONEI, ça veut dire qui prennent sous trois ans là, qui ne vont jamais toucher. Et le ministre de l'Éducation nationale, là, avant l'école ouvrir en septembre, il était annoncé que tout professeur qui est en salle de classe a besoin de lettre pour rentrer dans la salle de classe avant l'école là ouvrir. Mais aujourd'hui, nous sommes en février, nous sommes en mois février. Nous avons le sixième mois d'année scolaire. Ça veut dire que son année scolaire qui a 10 mois, ça veut dire que le professeur n'a jamais eu de lettre dans la main. Ça veut dire que si le ministre n'a pas pris bien, il a demandé au ministre, ça veut dire qu'il prend toute disposition pour rentrer pour parler avec le syndicat. Ça veut dire que pour aller à l'école, là, maintenant, qu'a fini bien, pour aller à l'école, là, pas passer mal. Nous avons le troisième problème pour nous toucher. Bon problème, question nouveau secondaire. Ça veut dire que le ministère, là, depuis environ 3 ans, les généraliser nouveau secondaire dans tout le pays. Ça veut dire que si qui parle dans le baccalauréat en 2019, maintenant, il ne parle pas dans le baccalauréat traditionnel, il parle dans le baccalauréat nouveau secondaire. Mais entre-temps, le ministère de l'Éducation nationale n'a pas fait un rien maintenant pour le programme disponible dans l'école yo, et pour manuel manuels disponible dans l'école yo, et pour les formations professeurs, parce qu'on a changé de paradigme, on a passé de un ancien système, c'est-à-dire des systèmes traditionnels, maintenant un système rénové. Maintenant, il faut que les professeurs eux-mêmes soient avisés. Maintenant, les professeurs, ça veut dire que pas aucune formation qui est faite pour eux. Et je dis à nous, doit dire, si nous prenons un secondaire 1, 2, 3 qui est dans l'école, ça veut dire que nous avons un non-nouveau secondaire, mais c'est toujours même technique traditionnelle qui est appliquée dans l'école. C'est une formation qui est réalisée dans le cadre pour renforcer la capacité et techniciens qui travaillent dans l'élaboration du rapport que l'État parti avec l'ensemble de conventions internationales sur la question des droits de l'homme. Et l'État a même gagné des engagements que vous prenez. Et bien, la formation a été réalisée pour mettre ensemble des techniciens de différentes institutions, côté que nous sommes capables de travailler ensemble, échanger de bonnes pratiques, échanger d'expériences et rendre nous plus performants dans le cadre de l'élaboration du rapport que nous avons, l'État Panouyo, pour adresser ensemble avec les institutions internationales qui sont compétentes dans le domaine des droits de l'homme. Il y a plusieurs ministères qui sont représentés. C'est le ministère qui est censé involver dans la question. Ça, par exemple, capable de jouer le ministère de la Justice, le ministère des Affaires sociales, le ministère des Affaires étrangères, le ministère de l'Intérieur. C'est ensemble de ministères et l'autre institution eux-mêmes qui ont une responsabilité dans la rédaction du rapport. L'initiative, c'est des ministres, parce que les gens que ministres, c'est en appui avec l'aspect ça, dans la question des droits de l'homme, ils ont voulu la donner. C'est une sorte d'appui pour permettre que les techniciens soient plus performants dans le cadre de travail. Les, nous avons pour nous élaborer le rapport que nous avons pour nous soumettre à comité des droits de l'homme. Jeudi, c'est le dernier jour, ça fait trois jours que nous avons un atelier.
et suivi à ce que c'est renforcer capacité technicien, renforcer compétences pour capable plus habile et que pour rapport capable et plus et consistant. Est-ce que l'initiative ça vient avec un constat de fait? Non, c'est un travail, comme on nous a dit, qui rentre, et son activité qui rentre dans le cadre de travail technicien. Ce n'est pas dans le cadre comme ça, mais pour renforcer la capacité technicien pour être capable de bien faire le travail. Combien de techniciens vont s'amuser sur le travail? Oui, nous plusieurs dizaines. Nous plusieurs dizaines. Est-ce qu'il y a des thématiques bien spécifiques comme si autour de quel réalisateur? Oui, il y a des thématiques, par exemple, c'est dans le cadre de consultation et intégration, parce que c'est des rapports qui sont rédigés par plusieurs institutions. Maintenant, il faut être capable de mettre ensemble, intégrer l'institution, ça, collaboration, consultation, parce que ce n'est pas une seule institution qui réalise, c'est ensemble de thématiques ça, qui sont sous table. Et côté que les techniciens eux-mêmes sont plus à même garder comment pour rendre plus performants à chaque fois qu'ils ont réalisé ce genre de travail. Ça. Atelier de formation, ça tout d'abord, il y a un rapport avec les mécanismes nationaux d'élaboration de rapports et de suivi. Et son série de structures que, à travers la formation, ça, que nous-mêmes, nous venons prendre des formations pour nous capables d'élaborer, pour nous capables de coordonner, ok, et mettre nous plus à jour sur mécanismes nationaux qu'on n'a pas gagné pour nous soumettre et recommandations que nous faisons par et organes de traité au niveau du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies afin pour une meilleure élaboration de organes de rapports que nous avons gagné pour nous soumettre chaque 4 ans qui c'est examen périodique universel, excusez-moi. Donc, participation, moi, c'était tout à fait un bagage qui était. En fait, ça était vraiment un acquis pour moi, qui permet de mieux et comprendre le processus et élaboration et rapport ça. Qui c'est un travail que nous, Haïti, gagnons lui-même pour lui remettre parce que, en tant qu'État parti dans la convention qui a rapport avec les droits de l'homme, donc c'est une obligation pour nous-mêmes en Haïti pour nous capables de soumettre rapport ça qui présente nous comment situation de l'homme nous en Haïti qui progrès que nous fait et tout ça. À qui ça rapport ça va l'utile? À qui ça rapport ça va l'utile? Eh bien, il peut faire état de situation des droits de l'homme en Haïti qui progrès que nous fait et qui ça qui méritait normalement pour nous capables plus de nous-mêmes. Nous pouvons mettre alors nous pouvons vraiment, dans le troisième jour là, nous pouvons vraiment gagner et séance plénière. C'est après séance plénière que nous sommes capables vraiment de mettre au point les recommandations que nous allons formuler. Hippolyte Mandjifé. Mon paquet est marché, ce n'est pas la première fois que vous voulez. Maintenant, si vous avez, pour qui ça, décide de ne pas tirer le son de vous? Pour qui ça pas chercher qu'on est pour qui ça vous mettez du feu dans le marché et qui époque que vous mettez du feu dans le marché. Parce que ça qui est important, c'est prévention. Malheureusement, nous n'avons pas ouais, le son qui tire. Et c'est la même catégorie population qui est victime. Et le pire, c'est les gens qui sont dans la même catégorie sociale avec eux, les gens du feu criminel, c'est eux qui mettent du feu. Et moi-même, d'expérience, je connais que 80% du feu pendant le pays, c'est du feu criminel que lui. Et me prend responsabilité et met tout le monde en défi, montrer le contraire. Parce que même s'il y a une couverture accidentelle, mais mon balle couverture bien dit accidentelle pour être capable de poser à criminel. Maintenant, le problème, est-ce que les décideurs sont conscients de danger? Est-ce que qui valeur en vie humaine gagne en Haïti? Parce que là, il s'agit de protéger vie monde. Parce que n'a pas les marchés. Les corps de pompiers professionnels qui là, qui est implanté sur tout territoire. Les dit du fond côté, c'est ça qui c'est combien monde gendant. C'est leur fin sauver vie monde. C'est leur ça les occuper de protéger matériel là. Parce que quand remplacer matériel là, mon pape qu'à remplacer mon vie humaine.
Donc c'est là, c'est un pompier, c'est un monde qui est là pour sauver vie monde. Donc c'est là pour Noël. Donc il est temps que les décideurs sautent sur l'occasion ça pour y adresser ce problème ça d'une façon définitive, professionnelle, pour que y doté pays d'un corps de pompiers national. Donc ça qui interpelle les mains, ou un côté criminel là, c'est youn, parce que l'affecté économie pays mais pays nous, l'affecté économie marchand qui concerné, parce que c'est pon ya yo prend, c'est prêt yo prend nan men et entreprise microcrédit yo, donc économie affecté considérablement. Donc ça qui interpelle nous, c'est que comment se fait-il que décideur pour prendre conscience de ça pour approcher problème nan fait pour tout. Et mon vœu là maintenant, c'est que yo moyen problème nan. Yo voulait ravaler affaire pompier ou affaire de camion avec de l'eau. Oui, c'est deux éléments importants. Mais pompier au côté yo, qui dernière fois recyclé, qui condition physique yo, qui casier judiciaire yo, bien volontaire. Nous saluons l'initiative mairie yo, qui a fait effort pour capable suppléer à ça. Mais c'est un autre problème libéral et tout. Qui est-ce qui évalue yo? Qui est-ce qui forme yo? Formateur, qui est-ce qui évalue yo? Donc tout ceci, il faut le montrer dans un cadre global pour que nous approche rationnelle. Même j'ai une académie et militaire, une académie police, une école magistrature, il faut une académie tout pour pompiers, pour capable recruter. Et là, pour recruter, il faut recruter premièrement, il faut avoir une tranche d'âge, deuxièmement, il faut avoir un certificat médical. Après certificat médical, il y a un casier judiciaire, c'est DCPJ pour faire test d'aptitude pour faire bouler, test psychologique tout, s'il pas foulement enragé. Donc autant de bail parce que ou pas d'en prendre nek ça, mon cher, mon petit famille, la gueule dans pompier, moi, c'est pas job bail parce qu'il y va de la protection des vies humaines. Parce que nous après nous mettre là, deux matins, c'est pour retirer dans danger. Et puis, du fait que le pas de recevoir formation, pas de qualifier, et puis l'abgade ou abgade, et puis le mourir. Donc, pas de compromis dans la sécurité. Donc, tout ceci doit être pris en considération. Il faut faire évaluation pompier que là. Parce que, gens, la nature ou du vide, pas de pompier. Donc, chaque magistrat ou eux-mêmes, mettez-le. Et ce qui est une bonne chose, parce que nous recommandons que nouveau corps de pompiers, pas nouveau corps de pompiers que l'est sous tutelle ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales, pour que pompiers lui-même ont un caractère autonome, corps autonome, pour qu'il y ait autonomie financière et administrative. De façon, il a besoin d'acheter équipement, besoin d'acheter pour ce n'est pas chef cabinet, c'est ministre cabinet. Pour l'autonome, même gens avec APN, AN qui est en bas ministère des Travaux publics. Donc, non, malheureusement, dans chambre députée, il mettait sous défense, il n'est pas bon du tout, il va gagner le défendre. Et dans le Sénat, il mettait sous ministère de la Justice pour respecter la Constitution. Donc c'est le moment pour que la Commission cap amende la Constitution penche sous ça pour être capable de mettre sous intérieur et collectivité territoriale. Ensuite, que le bail mairie, on pouvoir légal pour être capable d'augmenter taxes pour les gens qui représentent les plus dangers dans la ville, pour garantir le fonctionnement du corps de pompiers, pour qu'ils fassent face à l'obligation. Et même si ma chaîne ne fait pas de rien, parce qu'il ne faut pas rien gratis. Parce que dès qu'on fait un bail gratis, on ne peut pas avoir de considération. Mais elle met un radeau, elle met un goût de la donne, et bien la goutte pour lui parce qu'on est cobli la donne. Ensuite, on met pour le corps de pompiers, tout pour bail un levier légal pour que les pompiers lui-même, les gens doivent faire l'inspection, les gens doivent. Bon, on avertissement et sous pas respecter consigne pour le capable bloquer ou pour le faire payer amende. Mais tout ceci est un cadre légal.